Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Cohen. Bonjour Anice Mbida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, une innovation miraculeuse. Quand on doit apprendre par cœur, on peut désormais doper notre mémoire et notre capacité à retenir un texte. Oui, un stimulateur de mémoire, comme il existe aujourd'hui des stimulateurs cardiaques. Alors imaginez, vous devez apprendre un texte par cœur, mais vous n'y arrivez pas, à la mémoire qui flanche. Ou apprendre à dire l'heure. Eh bien, pour vous aider, un stimulateur va vous envoyer des petites décharges dans le cerveau, exactement au moment où ça coince, exactement au moment où vous avez du mal à retenir un mot, et hop, vous finissez par le retenir. L'expérience a été réalisée par sur une vingtaine de volontaires par des chercheurs subventionnés par l'armée américaine, et ça marche. En moyenne, leur capacité de mémorisation a été augmentée de 15%, ce qui est énorme quand on parle de mémoire. Étonnant. Pourquoi l'armée américaine cherche à doper la mémoire? Ils veulent créer des super soldats? Ben, c'est possible, mais là en l'occurrence, ils cherchent plutôt à soigner les anciens combattants, leurs vétérans. Il se trouve que beaucoup d'entre eux sont victimes de troubles neurologiques comme l'épilepsie ou la maladie d'Alzheimer. Des maladies qui affectent directement la mémoire. D'ailleurs, l'expérience et les résultats ont été obtenus sur des patients épileptiques. Mais on imagine facilement les bénéfices pour une personne qui sera atteinte de la maladie d'Alzheimer. La moindre amélioration de la capacité à mémoriser, bah, ça pourrait lui permettre de reconnaître des visages, de savoir ce qu'elle était en train de faire. Donc ça pourrait vraiment lui changer la vie. Vous savez, j'ai demandé à des scientifiques et selon eux, 15% de capacité à mémoriser, c'est en général ce que perd un malade d'Alzheimer en un peu plus de 2 ans. Donc en théorie, avec ce stimulateur, eh ben, on pourrait y gagner ces 2 ans. Ce serait formidable. Est-ce que ça fonctionnerait aussi avec des personnes saines? C'est-à-dire pour du dopage pur et simple? En théorie, oui. Mais là, si ça vous intéresse, Patrick, il faudra accepter de vous faire ouvrir le crâne pour vous poser des électrodes directement sur le cerveau. Il faut savoir que c'est une pratique assez courante pour traiter l'épilepsie ou la maladie d'Alzheimer dans les cas extrêmes. Pas sûr que ça vaille le coup pour dire l'heure ou bien pour avoir 20 sur 20 en récitation. Merci à vous, Anice Mbida.